enfants. Et Jésus n'était pas moi. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je n'ai le point vu, il vécut il y a des mille ans. Mais l'on me demande, mais pourquoi je l'adore? Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur, et je le mets bien. Il est dans mon cœur, et faiblit est comme ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me lève. Il me tire la main, je l'aime. Il me tire la main, je l'aime. J'étais dans la nuit et je vis dans ce boulot. Après ma oreille, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. J'ai viré partout et j'ai crié avec joie. Et non, mais Jésus, Jésus de la croix, il est connu, il ne peut pas passer. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Et beaucoup me disent que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il ne veut revenir. Bientôt 2010, quand est-ce qu'il reviendra? On amène les témoignages, ça s'accomplirait. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, oh, 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 je l'aime. Vers la fin, parce qu'au commencement, c'était pas la chanson, mais c'était la parole. Amen. Nous allons nous ça, c'est la chose. Amen. On va parler un peu, comme l'a dit le pasteur. Je me sens chez moi. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, le verset 10. Pouvons nous tenir debout par respect pour la parole de Dieu. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Nous allons encore prendre dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous continuerons à lire pendant que vous êtes assis. 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point sans parabole. Ce matin, j'avais voulu parler sur un petit sujet. Je l'ai déjà prêché dans une campagne d'évangélisation quelque part.
Et ça a été une très grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Et j'ose croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si ça l'a été pour les autres, je crois que ce matin aussi, ça sera une bénédiction pour vous. Et je voudrais parler sur comprendre la parabole. Saisir le sens de la parabole. Parce que Dieu n'a jamais, ça n'a jamais été sa manière de parler ou de faire. Dieu n'a jamais parlé d'une manière ouverte. Oui, amen. Depuis les temps anciens,